L'histoire disait donc vrai. Notre famille fait partie d'une lignée de créatures du monde obscur. Mon père d'une lignée de loups-garous et ma mère d'une lignée de sorcières. Mes grands-parents s'étaient opposés à leur union parce que, d'après la prophétie, le fruit de leur union entraînera la chute de l'espèce humaine. En l'an 10 avant Jésus-Christ était la toute première apparition de ce démon. Certains disent que c'est une bête assoiffée de sang qui vient tout droit de l'enfer. Les anciens le surnomment les ghosts. Frère, franchement, je ne te sens plus vraiment ces derniers temps. Qu'est-ce qui se passe? Ouais. Ces derniers temps, je ne suis plus en forme. Il y a quoi? Explique-moi. J'ai l'impression que mon corps ne m'appartient plus. Faut vraiment que tu m'aides. Attends. Ne me dis pas que c'est ce que je pense. Je ne veux surtout pas que Père le sache. C'est pour ça que je t'en parle, toi. En fait, je sais même plus quoi dire. S'il te plaît, fais-le pour moi. Attends-moi ici, j'arrive. Anga! S'il te plaît. Je ne ferai que ce qui est bon pour toi, mon frère. Est-ce que c'était nécessaire que nos enfants paient le prix de notre amour? Hein? Ce que j'ai craigné, c'est ça qui est là. Ça qui est arrivé là. Qu'est-ce que tu racontes? Idem? Non! Non! Père! S'il te plaît, j'ai besoin de toi. Suis-moi. Qu'est-ce qui se passe? Je vais t'expliquer en route. Un instant, s'il te plaît. Les lignes démonios. Modome. Démonium vocas. Tu m'as trahi. Je t'avais dit de ne pas dire ça à Père. Pourquoi? Je suis désolé, frère. Mais je n'ai fait que te sauver. Nous sauver. Mon fils. Pourquoi cela s'est jailli sur toi? T'as fait quoi aux ancêtres? J'ai essayé de te sauver de cette malédiction. Depuis ta naissance. Mais apparemment, j'ai échoué. S'il te plaît, mère, tu dis quelque chose. Père, je suis toujours ton fils. S'il te plaît. Je sais, mais tu n'es plus toi-même à présent. À vrai dire, je te soupçonnais depuis la pleine lune passée. S'il te plaît, mère, dis quelque chose. Tu ne peux plus vivre parmi nous. Je suis désolé, fiston. La survie de notre tribu en dépend. S'il te plaît, père. S'il te plaît, père. Ne le laissez pas me faire ça. Je vous en supplie. J'aimais mon frère. Mais je ne pouvais pas laisser ce démon prendre totalement place dans son corps. Mais frère,
Le grand jour. Notre père était obligé de faire appel à deux confréries pour l'aider à purifier l'âme et le corps. Ce n'est pas un plaisir ni une fierté pour moi de voir mon fils souffrir tant. Mais je suis appelé de protéger notre famille. Siote inoxitu nun quam demitere posse. Absecramustis. Ut anc animam emundes. Ut est ius inere nunquam resurgati. Il fut brûlé vif. Ses ossements sont donc répartis entre les trois tribus présents à la cérémonie. Et si jamais cela venait à se découvrir, alors l'esprit de mon frère reprendra corps humain, avec une puissance cette fois plus phénoménale, et ce sera la fin de la vie terrestre. Retourne sur la terre.